Donc je m'appelle Jean-François Piège, mon restaurant s'appelle Jean-François Piège. Aujourd'hui, pour moi, la cuisine, c'est naturel, émotionnel, pour du plaisir. Je ne sais pas parler de la tradition du fine dining, je sais parler de ce que j'ai envie en fait. Je veux que mes clients soient détendus, heureux, et pas forcément dans le fine dining à la française où on a une table, on a du marbre, on a un grand service. Moi, je veux quelque chose qui soit simple, mais simple, c'est difficile. Le concept du fine dining en France, c'est peut-être quelque chose qu'on connaît tous, moi, dans mon expression que j'ai au restaurant. Les clients arrivent, la table est vide. C'est pas pour être différent, c'est parce que dans l'histoire que je veux raconter, je n'ai pas envie que la table soit pleine. On a fait un restaurant dans un endroit qui est comme un appartement. Et l'idée, c'est que je reçoive comme chez moi. Donc, quand les clients arrivent, on met la nappe. Et on commence à composer la table. On compose le moment aussi avec les clients. Parce que ce n'est pas une carte, ce n'est pas un menu unique. C'est quelque chose qui s'appelle la règle du jeu. Parce que le jeu de se laisser porter par le cuisinier. Et le jeu, parce que je choisis une partie de ce que je vais manger. Et c'est quelque chose que j'estime assez personnel, qu'on ne trouve pas ailleurs que chez moi. Ce n'est pas simplement de la nourriture, c'est plus que de la nourriture, c'est du plaisir. Pour moi, le sel, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ce qui change. On mange du... On peut cuire avec le sel, on change les goûts avec le sel et que très souvent, on l'utilise mal et donc c'est extrêmement important d'utiliser le sel parfaitement. On s'aperçoit dans la mozzarella, la bonne mozzarella, elle est parfaitement salée. C'est la même chose dans la cuisine. Je fais une cuisine d'aujourd'hui en interprétant des ingrédients de toujours, une tradition de toujours, mais j'essaye de ramener tout ça au présent sans forcément l'interpréter, mais que ce soit ma cuisine. Je reçois comme chez moi, je fais ma cuisine. C'est quelque chose qui est important aujourd'hui dans mon expression culinaire, c'est que tout m'appartienne. La seule chose dans la cuisine, c'est qu'il faut qu'elle provoque une émotion et qu'elle soit bonne. C'est ça aujourd'hui. Pourquoi émotionnelle? Parce qu'elle va provoquer une émotion. Donc, elle sera plus dans une sensation de plaisir, plus une sensation artistique que simplement de manger. Et c'est ça qui fait la différence dans mon expression d'aujourd'hui. J'estime que ma cuisine crée des émotions. Le chevreuil que j'ai fait cuire aujourd'hui, je l'ai cuit sur des marrons grillés. J'ai utilisé des produits naturels, le marron, le chevreuil. Et j'ai pris le dos de chevreuil que j'ai fait cuire sur des marrons grillés. Et les marrons, en grillant, donnent le goût qu'on retrouve dans la rue quand on se balade en hiver et viennent parfumer le chevreuil. Et comme le chevreuil est sur les marrons, il va cuire tout doucement, il va s'imprégner du goût, il va sentir le marron grillé. Et c'est quelque chose qu'on n'aura jamais goûté. Le chevreuil avec le goût de marron grillé. En revanche, c'est pas, il n'y a pas de provocation là-dedans. On ne cherche pas à mettre des choses qui ne sont pas naturelles. On reste dans la douceur. Et on vient devant le client pour sentir le marron grillé, le chevreuil qui est parfaitement cuit. Des produits de toujours avec des techniques d'aujourd'hui.